Bonjour Monsieur Ximena. Bonjour sœur. Vous êtes venu visiter le chantier? Oui, je suis venu visiter le chantier, oui, l'équipe Solimbra qui est en train de poser une pergola donc, pour le monastère. C'est la fin de la pause ce matin, on a commencé hier matin et ce matin l'ensemble des équipes ont terminé le chantier. Est-ce qu'il y a des étapes caractéristiques du travail que vous souhaiteriez nous expliquer? Alors en fait, il y a des étapes qui sont importantes dans ce travail-là. La première étape, c'est le métrage. Une fois que le monastère avait choisi le type de protection solaire qu'il voulait, le point important, c'était effectivement de métrer. Là, c'est une sœur du monastère qui a fait le métrage. Et puis après, la deuxième étape, c'est la pose de la structure. Et ensuite, on vient mettre ce qu'on appelle les modules, les lames, qui elles vont être manœuvrées électriquement par un automatisme qui va permettre de se protéger du soleil et en même temps se protéger de la pluie. Et en hiver, on laissera rentrer la lumière à l'intérieur de la pièce. Voilà. Bonjour Guillaume. Bonjour. On vous a vu arriver hier matin pour commencer à poser la pergola. Mmh. Quel est votre rôle dans l'équipe? Je suis le responsable technique de la société. J'ai pris le relais après Philippe pour la partie déroulement de l'opération, si bien au niveau de la fabrication de notre produit qu'au niveau de la pose. Vous avez fait le montage complet en une journée, est-ce que c'est habituel ou est-ce que c'est exceptionnel? On n'a pas de temps moyen ou de temps référence. Il peut y avoir des petits aléas qui nous font perdre beaucoup de temps. C'est un bon temps de référence que nous avons fait, une belle prestation. Et du coup, habituellement, vous intervenez chez des particuliers. Ici, c'est une structure un peu grande, c'est un sanctuaire. Est-ce que vous avez pourtant l'impression d'être à la maison, d'être chez quelqu'un et pourquoi pas d'être chez Saint-Joseph? Si on veut faire le parallèle, quand nous travaillons chez des particuliers, ils nous ouvrent leur maison, donc leur vie personnelle, j'ai perçu la chose de la même manière. Donc la communauté nous a ouvert les portes et nous a permis de travailler chez eux. Ils nous ont respecté aussi tout au long de notre chantier, donc c'était une bonne expérience pour moi de travailler ici. À vous voir travailler ensemble, on dirait qu'il y a un esprit d'équipe un peu particulier. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, c'est une ambiance un petit peu à part dans la société. Chacun donne beaucoup à l'autre, on se fait confiance mutuellement et nous sommes tous professionnels. On travaille ensemble pour faire avancer la société. Nous sommes une petite société et beaucoup basée sur la relation à la personne directe. Est-ce qu'on peut parler d'amitié entre les collègues? Oui, oui, il y a de l'amitié qui se lie au fur et à mesure du temps. La société n'arrête pas de croître, si bien en termes de chiffre d'affaires que de nombre d'employés. Sur des projets comme ça, c'est là où on se rend compte de l'énergie que nous pouvons avoir tous ensemble pour mettre en œuvre le résultat que l'on peut voir et à la vitesse d'exécution à laquelle on peut le faire aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Saint-Joseph-de-Montrouge? Non, c'est pas la première fois. Il y a très longtemps que je suis la communauté, on est avec mon épouse et les enfants. La première fois qu'on a rencontré la famille de Saint-Joseph, c'était dans la région lyonnaise et notre fils aîné avait 8 ans. Bon, maintenant il en a 34, donc il y a quelques années qu'on connaît la famille de Saint-Joseph. Voilà. Et est-ce que vous intervenez ici à titre de mécénat? Alors, l'histoire un peu de l'intervention ici, c'est lié en même temps à la création de l'entreprise de Solimbra. Donc c'est une jeune entreprise que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. Dans les raisons de la création de cette entreprise, il y avait des paramètres à mettre en place qui étaient différents de ce que j'avais pu connaître jusqu'à présent dans le monde de l'industrie. Et donc il y avait une dimension du don qui fait partie intégrante de l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire, il y a 3 piliers dans cette entreprise. Il y a un pilier qui est de gagner de l'argent, de satisfaire nos clients. Et ces résultats, qu'est-ce qu'on en fait? C'est souvent une problématique importante dans une entreprise. Donc on applique une règle qui s'appelle la règle des 3/3. Donc il y a 1/3 des résultats qu'on réinvestit dans l'entreprise pour lui permettre de se développer. Il y a un autre tiers qui est pour les salariés et 1/3 que l'on donne. Et donc ici, l'entreprise étant jeune, on démarre ce processus-là depuis maintenant à peine 1 an. On va le poursuivre l'année prochaine avec une autre formule. L'année dernière, on avait décidé, avec la famille de Saint-Joseph, qui avait un besoin de protection solaire, de mettre en place cette pergola. Et donc de ce fait-là, c'est un don que l'on fait. Et l'ensemble des salariés ont participé à ce don, au niveau de la production, au niveau de la pose. Je ne sais pas si on peut appeler ça un mécénat, mais en tout cas, ça fait partie vraiment intégrante de notre façon de travailler et de ce que j'appelais tout à l'heure l'ADN de l'entreprise, dans la mesure où le don est important dans notre façon de faire. Est-ce que la personne de Saint-Joseph a participé à votre inspiration? Ah oui, c'est clair. Saint-Joseph, quand j'ai créé cette entreprise, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, clairement, est un associé de l'entreprise. Alors, il a 100% des parts, il a une partie des parts, mais en tout cas, Saint-Joseph est au cœur de ce projet et de cette vie, on va dire, que l'on a ensemble dans l'entreprise, c'est clair. Saint-Joseph est là.